Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir rassemblé l'ensemble des cadres du groupe H&S Invest Holding, qui, dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'expansion et l'arrivée d'un nouvel actionnaire qui est donc le fonds d'investissement SPE, nous permet de mettre le cap sur une vision 2025 et dans laquelle nous avons déployé ce que nous voudrions être en termes de vocation. Jusqu'à présent, nous étions un groupe de distribution et de communication médias. Nous sommes en train de changer de vocation pour devenir un groupe industriel qui développe nos propres marques en compagnie des marques de nos partenaires. Cette stratégie de développement de nos propres marques va nous permettre d'améliorer notre rentabilité et d'améliorer nos fondamentaux financiers. Mais ça ne nous empêchera pas non plus de nous développer sur des aspects extrêmement importants, notamment le développement à l'international, puisque nous avons finalisé l'acquisition d'un distributeur important à Singapour à hauteur de 30% dans les mois passés. Et nous allons continuer cette stratégie d'internationalisation. Nous avons bien sûr aussi parlé des stratégies internes, notamment la création de synergies entre les différentes filiales, mais aussi la mise en place de pratiques de bonne gouvernance nous permettant de devenir un groupe marocain aux standards internationaux avec l'arrivée d'un fonds international pour nous porter vers le haut et nous permettre de pouvoir gérer un nouveau cycle de croissance sur les 6-7 prochaines années.